2070 Madagascar. Richard Nicolet avait ouvert la voie dimanche. Bruno Julie lui a emboîté le pas ce matin au Stade des Travailleurs à Beijing. Face aux représentants du Lesotho, Emmanuel Nketou, le boxeur mauricien en rouge, crispé au départ, cède des points. Il termine le premier round avec 4 unités de retard dans son premier combat dans la catégorie des 54 kilos. Les consignes de Jean-Claude Naglou, entraîneur national, le remettront sur les bons rails. À partir de là, Bruno Julie retrouve une certaine stabilité. Mieux encore, il sort le grand jeu pour terminer avec un score de 6-5 dans la deuxième reprise. Il réduit considérablement l'écart. Dans le troisième round, le Mauricien se montre tout simplement supérieur techniquement et surtout physiquement. Il engrange des précieux points. Il prend une avance confortable, 11-8, ce qui lui permet d'envisager la dernière reprise avec beaucoup de sérénité. Effectivement, dans le dernier round, son adversaire ne pourra marquer de moindre point. Bruno Julie, tout en confiance, marquera 6 autres points, profitant au passage d'une baisse de régime sur le plan physique du représentant de Lesotho. Bruno Julie all over him here, brings it home strongly, 17-8, final few seconds. And the man who is listed at 100... Julie remporte le combat par 17-8, très encourageant pour la suite de la compétition. Huitième de finale, Bruno Julie se mesurera à l'Ouzbek Khourshid Tojibaev vendredi. Un boxeur que notre compatriote connaît très bien. Le combat est prévu à 15h30 et bien sûr, toute l'île Maurice sera derrière notre pugiliste. Is Bruno Julie. The Mauritian magician has done it. He is through to the final eight. Le rêve olympique se poursuit pour Bruno Julie. Le Mauricien s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale dans la catégorie des 54 kilos. Opposé à l'Ouzbek Khourshid Tojibaev, Bruno Julie a fait montre de tout son talent pour se défaire de ce redoutable adversaire et ainsi préserver l'espoir d'offrir à Maurice sa première médaille olympique. Après un premier round serré où les deux boxeurs se sont rendus coup pour coup, Bruno Julie va passer à la vitesse supérieure dans la deuxième reprise. Suivant les conseils de son entraîneur, le champion d'Afrique en titre enchaîne des séries gauche-droite qui font mal. Le Mauricien va prendre le large au score et terminer cette reprise avec de longueurs d'avance. Plus expérimenté, Bruno Julie va dès lors être le patron sur le ring. Très vite, l'Ouzbek est dépassé par les événements. Bruno Julie en profite pour se mettre définitivement à l'abri. D'ailleurs, il dominera cette reprise pour aborder la dernière avec 9 points d'avance, suscitant au passage l'admiration. This is turning into one of the best displays we have seen here in Beijing. And you would never have expected it. En effet, le magicien mauricien au sommet de son noble art va par la suite gérer la fin du combat, enregistrant 3 nouveaux points et remporter le combat facilement sur le score de 16-4. Après ses exploits au jeu du Commonwealth, au jeu des îles et au championnat d'Afrique, Bruno Julie vient d'écrire une nouvelle page du sport mauricien. Au prochain tour, il affrontera le Vénézuélien Hector Manzanilla. Ce sera lundi prochain à 15h15 heure de Maurice. Sans nul doute, ils seront nombreux les Mauriciens à être devant leur poste de télévision pour suivre avec engouement ce quart de finale de Bruno Julie. Assurément, Bruno Julie est entré dans la légende du sport mauricien en offrant à son pays sa première médaille olympique. Sa victoire en quart de finale des moins de 54 kilos ouvre la porte du carré d'as avec à la clé l'assurance de décrocher au moins une médaille de bronze. Ce succès historique, il l'a construit en 4 rounds de 2 minutes
face à un adversaire coriace qui n'a rien lâché, du moins jusqu'à la dernière reprise. Hector Manzanilla, le Vénézuélien, devait d'ailleurs tout au long du combat se montrer menaçant pour le Mauricien en bleu. Dès le premier round, il s'est même permis de talonner Juli, qui affichait pour sa part une belle maîtrise, prenant même quelques initiatives lui permettant de prendre une légère avance de 3 à 2. Juli avait même augmenté son écart à 3 points, mais le Vénézuélien n'en démordait pas pour autant et s'accrochait pour égaliser à 5 partout. Un mano à mano qui s'est poursuivi jusqu'au 18e point à 9 partout avant que Juli ne reprenne le dessus à l'issue de l'avant-dernier round. As Julie hits the lead for Mauricius. Turning right hand. And the Mauritian magician leads with one round to go. Avec les encouragements de son entraîneur et le soutien de cœur de tout son pays, Bruno allait livrer un dernier round d'anthologie et tout donner pour se mettre à l'abri d'un éventuel retour de Manzanilla. Les secondes défilaient et les points aussi. La délivrance était proche. 4 points d'écart. Oui, il ne pouvait plus rien lui arriver. Plus qu'une poignée de secondes pour faire de ce match se résumer en un jour de gloire du sport mauricien. Le gong final, il pouvait enfin lever les bras au ciel. Juli a bel et bien sa place au panthéon des meilleurs sportifs du pays. He is guaranteed Mauritius's first ever Olympic boxing medal. Quelle performance! Une première médaille olympique pour la République de Maurice. L'aventure olympique ne s'arrêtera pas de sitôt selon lui. Prochain objectif, passer le cap des demi-finales où il affrontera ce vendredi le Cubain Leon Alarcón Yankiel, tombeur du Thaïlandais Pechkum. Et là, il s'agira de transformer le bronze en argent, voire en or. Après tout, le magicien mauricien est capable d'un tel tour. As Bruno Julie makes his way to centering, the Cinderella story of Beijing, Bruno Julie of Mauritius. C'est sans complexe que le Mauricien fait son entrée sur le ring.